Bonjour à toutes et à tous, c'est Name62. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on se retrouve sur du GTA. Donc nous sommes en mode LSCPDFR. Donc j'ai pris en direction de patrouille 29. Je suis accompagné d'une collègue fille. Oh, oups, donc je vais vous faire voir ma collègue tout de suite. Donc je vais me mettre sur le parking pour voir ma collègue. Alors donc ici nous avons ma collègue et moi je suis juste ici. Alors il faut savoir que le mode est disponible sur PlayStation 3 ainsi que PS4, donc là je joue sur PlayStation 3, moi c'est moi et il y a ma collègue Sabrina juste ici. Donc on a juste un problème du mode, c'est qu'il faut monter de ce côté là sinon la collègue ne peut pas monter dans la voiture. Donc c'est vraiment quelque chose de très nul on va dire quoi, mais bon ce n'est pas très grave. Donc je vous propose tout de suite qu'on se rende au commissariat. Donc attendez, hop, je vais mettre le marqueur sur la map. Donc le commissariat, il est juste... attendez, que je retrouve le comico. Normalement, il me semble qu'il doit être ici. Donc on va aller voir là, pour voir. Mais normalement, il doit être là. Donc on va aller voir au niveau du commissariat, pour voir si on n'a pas des interventions. Alors il faut savoir que ce mode est également disponible avec les pompiers. Ainsi que nous avons les pompiers, les paramédics, donc tout ce qui est médic, ambulance, quoi, tout ce qui respawn de l'hôpital. On peut être urgentiste, donc qui est quelque chose de quand même très intéressant. Après, on peut être policier, policier du SWAT, donc en gros le GIGN américain, quoi, ou le RAID. Après, nous avons aussi la disponibilité de prendre les forces armées, donc marines, parce que dans le jeu, il n'y a que la marine disponible, donc de la marine nationale, quoi. Alors, attendez, parce que ici, il faut que je me repère. Je connais dans cet endroit. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas l'habitude de beaucoup jouer sur GTA. Donc, il me semble que là, c'est par là, non? Je sais plus. Ah non, c'est par là. Et donc voilà, donc je teste ça avec vous tout simplement pour voir si ça peut être intéressant, si on peut avoir, alors le commissariat est par là, oh j'ai failli me prendre, donc attendez, si on peut avoir beaucoup comment dire, d'interventions intéressantes à faire. Donc j'ai regardé à peu près hein, sur YouTube, donc vous pouvez l'avoir sur PS3 Jailbreak, hein. C'est super intéressant. Donc la collègue veut bien descendre. Ma collègue est autorisée à avoir le taser. Donc ça c'est dans les menus, vous pouvez lui donner les armes que vous voulez. Si vous voulez un jour je présenterai pourquoi pas le menu, si cela vous intéresse dites le moi en commentaire. Donc là on va prendre les documents, donc dans ce truc là. Donc je sais qu'à chaque fois qu'on y va ça nous met directement le mode en route. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc là, nous venons de prendre notre service et on peut partir directement pour les dispatchs. Qu'est-ce qu'il fait? Tu regardes les avis de recherche? Donc, on va récupérer notre véhicule. Hop. Et puis, on va partir sur des patrouilles. Donc, j'ai commencé. J'ai joué un petit peu. C'est bien celle-là? Ouais, la 29. J'ai un peu joué cette nuit, donc vous voyez, voilà, c'est ça le bug, c'est que sinon elle monte derrière, donc il faut descendre et qu'elle passe de l'autre côté. C'est un petit peu bug, mais je veux dire que c'est intéressant. Faut savoir que GTA c'est quand même un bon jeu, quoi, donc pourquoi elle monte derrière? Bon, elle restera derrière. Hop, je sais pas si c'est légal ça.
Voilà. Donc on va faire une petite patrouille et puis si c'est possible qu'on tombe sur des points. Il faut savoir que c'est un jeu, donc comme je vous expliquais, on peut faire des patrouilles, on peut se faire agresser, donc souvent dans les quartiers chauds. Donc là, est-ce qu'ils ont besoin d'assistance eux? On va voir ça, on va aller voir si on peut pas les aider. Ah bah là le flic, non? Ouais, il arrive vers nous. Donc c'est possible qu'on peut venir les inciter. Donc on va aller voir si on peut pas aller les inciter, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est tous les trucs comme ça. Donc d'habitude ça se met sur la map, mais je me suis rendu compte que ma map à moi elle buguait. Il faut qu'on en emmène un au Comico? Non? C'est bon? Non bah c'est bon. Non bah d'accord. Bon bah je croyais qu'on aurait pu l'amener à un commissariat. Ah ouais, on va monter de l'autre côté. Ça c'est les policiers. Tu montes s'il te plaît? Michel? Michel? Vas-y viens. Alors on a enfin compris comment faire. Franchement c'est quelque chose d'intéressant. On va enlever l'arme au volant. Donc il faut savoir qu'on peut être appelé aussi sur les accidents de la route en étant policier donc de Los Angeles. On peut être appelé sur les accidents de la route. On peut aller aider par exemple, bon bah c'est rouge mais on s'en fout. On peut être aussi appelé à faire des départs incendies dans des locaux. Donc voilà, donc là je ne sais pas si on va faire des interventions, si le jeu cela peut vous intéresser vraiment. Moi j'ai joué une bonne demi-heure hier. Nous avons quand même réussi à avoir une attaque terroriste. Nous avons eu aussi, comment ça s'appelle cela, une fusillade dans le quartier. Donc pour moi j'ai trouvé ça super intéressant en sachant que c'était la première fois que je jouais avec des mods, surtout sur PS3, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mods PC, mais là c'est un mode que j'ai réussi à trouver sur PS3 qui est super intéressant. Donc franchement oui, c'est intéressant. Donc il faut savoir sur ce mode, on est on peut aller en base militaire, tout ce qui peut être un peu comment vous expliquer, tout ce qui peut être un peu compliqué quand on n'a pas si vous voulez, on a c'est un mode menu qui se met directement en route pour pas qu'on a la police dès qu'on tire sur un ennemi ou quelqu'un qui nous agresse. Donc c'est quelque chose de super intéressant parce que je veux dire, si on est policier dans le jeu et qu'on se fait directement attaquer, c'est pas, on va faire une petite patrouille là-dedans, c'est pas forcément intéressant. Après, donc comme je vous expliquais, on peut être pilote de chasse, donc sur porte-avions. Donc est-ce que la barrière va s'ouvrir? Non, on n'a rien vu. Je me promène avec une barrière, c'est normal. Et après alors donc on peut être pilote de chasse comme je vous expliquais. Donc là il n'y a rien. Ok, on va faire hop. On peut faire du tir aussi, donc du tir chez la LSCPD. Donc on va directement dans le commissariat. Donc tout ça je vous expliquerai dans une autre vidéo si vraiment la vidéo vous intéresse. Hop, on va passer là pour éviter de recasser toutes les barrières. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'aéroport et puis faire quelques contrôles d'identité, ça peut être intéressant. Hop, on va passer par là. Donc après on peut contrôler les jeunes, savoir s'ils ont de la drogue. Donc sur un mode menu, c'est quelque chose. Bah un mode menu, c'est pas un mode menu, c'est le mode LSCP. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc si ça vraiment vous intéresse, je pourrais faire une prochaine vidéo en tant que membre du SWAT, membre des paramédics, donc tout ce qui est ambulance, urgence médicale. On pourrait aussi, si ça vous intéresse, faire militaire ou bien même pompier. Je vous dis si ça vous intéresse. Donc là, je vous dis, je suis avec ma collègue donc dans cette petite voiture de police qui n'est pas très dégueulasse. Moi je préfère celle-là que les Buffalo. Mais bon, oh le bus, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient de où lui? Ouais. J'allais dire on va le contrôler, mais bon, ça peut être intéressant de voir comment il se comporte sur la route. Ceci en contrôle parce qu'il vient de nous faire Ah oui, aussi j'ai une mission, ça c'est un ami à moi qui est venu jouer à la maison et qui a vu une mission donc super réaliste. Donc moi dans ma vie je suis militaire, donc c'est super réaliste. C'était une attaque donc sur un parking, c'est pour ça que là je viens sur le parking, où il y avait une voiture piégée, donc une voiture piégée avec sûrement de l'explosif à l'intérieur.
et il m'a expliqué en détail, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'étais pas là au moment, mais il m'a dit que c'était vraiment réaliste et que c'était quelque chose de super intéressant. Après, ah, bah, y a des collègues, bonjour. Après, ce qu'on peut faire aussi, donc là, je suis du mauvais sens. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Ah mince. Oh. Bon, j'ai un peu abîmé la voiture. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple, en étant pompier, par exemple, donc je vous dis, je prends toujours des exemples. Ah bah, ici, c'est pas le commissariat? Si. Bon, on va récupérer ce véhicule, parce que moi, je viens d'abîmer le mien. Donc, est-ce qu'il va casser la vitre ou pas? Parce que des fois, ouais, c'est des trucs comme ça, on dirait qu'on vole les véhicules, c'est magnifique. Hop là. Il va casser le véhicule. Attention, attention. Il casse. Bon, si tu as bien monté... Oh, magnifique. Elle monte de ce côté-là. Bon, bon, on a récupéré la voiture. On a récupéré une nouvelle voiture, on va dire. Donc, on va rentrer sur Altermac pour faire quelques petites patrouilles comme ça sur Altermac. Puis, on va bien voir ce que ça donne. Donc, après, je peux me mettre en... Bonjour. Merci. Donc, voilà. Hop, et puis, il nous ouvre les grilles. Donc, ça, c'est un truc super intéressant. C'est que quand vous allez venir jouer, par exemple... en solo avec Michael, Franklin ou Trevor, au moment de rentrer sur les tarmacs, soit vous allez avoir la police, ou soit tout simplement la personne va pas vous laisser rentrer. Ah, c'est ouais, les épaves. Va pas vous laisser rentrer. Donc, moi je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Voilà. Moi, franchement, sur ce jeu là, j'adapte beaucoup le concept du mode parce que c'est quelque chose de super intéressant. Donc, je filme avec un Nikon L350. Donc, excusez-moi s'il n'y a pas une très bonne qualité, car j'ai pas trouvé sur internet ou même sur la Play au niveau de jailbreak pour pouvoir filmer directement l'écran. Et puis, je n'ai pas le micro adapté tout simplement. Mais si vous avez quelque chose pour le faire, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse fortement. Ça m'intéresse fortement. Donc là, on fait des petites patrouilles comme ça sur les permacs. Ah, j'ai cru qu'il reculait l'avion, j'avais dit sous ma gueule. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc après, on peut faire donc comme tout à l'heure. Bon, souvent le collègue se rapproche du véhicule et puis vient nous demander. Donc il y a un dialogue qui s'affiche quoi en demandant. Donc il faut savoir. On va pouvoir venir chercher de l'aide avec nos collègues. Donc excusez-moi pour le petit. Comment je pourrais vous expliquer ça? Pour le petit bug. C'est tout simplement parce que j'avais plus de mémoire dans la caméra. Donc bah là on continue nos patrouilles, mais bon c'est quand même une petite vidéo, donc je vais pas faire trop longtemps hein. Si je pourrais faire 15 minutes ça serait pas mal. Ouais, 15 minutes ça serait pas mal. Donc là bah on va ressortir des thermacs, donc hop, on va sortir par là, on va couper. Ça on aura mis au moins une fois les gyros. Hop. Pendant la vidéo, parce que si on n'a pas d'intervention, c'est un peu dommage. Mais je vous dis, ce qui peut être super intéressant, c'est... Wow, la voiture, elle vole. Ce qui peut être intéressant, c'est... Voilà, comme ça, c'est pas pris d'avion. Hop, attendez, parce qu'on va faire... Hop. Voilà, normalement... Bon, ok, lui. Je suis on a un problème. Est-ce que t'as allumé ma voiture? Non, t'as de la chance. Donc, comme je vous disais, donc ce qui peut être intéressant, c'est faire... les pompiers. Ah, lui, il ouvre la barrière 3 ans plus tard aussi. Ouais, d'accord. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on puisse faire tout ce qui est pompier. Ça peut être super intéressant. Donc là, il y a les collègues. Bah, tu vois, on va se mettre avec eux. Ils ont quoi? Ouais, ils ont pris le fusil, la carabine et tout. Bonjour, messieurs les collègues. On va venir vous aider. Hein. On est en patrouille aussi. Nous, on fait du vigipirate. Donc il faut savoir aussi, en parlant de patrouille vigipirate, que la menace terroriste est aussi présente en Amérique. Donc ah oui, puis elle a la queue de taser normalement. Ouais. Donc non, en fait on va. Donc voilà. Donc on va rester là avec les collègues et puis tu vois, on va peut-être se laisser sur ça. Salut mec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir le gilet pare-balles. Mais quand on a gilet pare-balles, si vous voulez, on n'a pas la ceinture, on a le holster et tout le truc comme ça. Mais on fera sûrement une patrouille avec des modes comme ça. Ça sera oh, encore sur le toit. Mais on fera une patrouille comme ça, c'est sûr et certain. Oh, hop, attendez. Attends, collègue, je viens chercher. Vas-y, monte.
Monte, Michel, monte. Mais monte. Et monte pas de l'autre côté. Il y a une porte là. Mais bon, on vient enfin de comprendre. Donc, donc on fera une patrouille si vraiment les vidéos LSCP GTA, ça vous intéresse. Donc j'activerai le mode pour avoir toutes les missions LSCPD, donc tout ce qui touche la police de Los Angeles, de Los Santos pour rester dans le jeu. Après, si vous voulez, on pourra aussi faire, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, je me répète, je sais, donc les pompiers et tout. Avant que je vous laisse, il fallait que je vous dise que je m'excuse pour l'absence, parce que j'ai eu beaucoup d'absence, excusez-moi, sur la chaîne YouTube, mais j'ai été fort malade, je me suis blessé au boulot, donc j'ai préféré faire ma santé avant la chaîne YouTube, à mon avis, ce qui est tout à fait normal, quoi, que tout le monde ferait pareil. Donc voilà. Donc je vais sûrement prendre une... on va sûrement rentrer au commissariat, et puis lâcher la collègue. Et puis comme ça, bah moi, on se verra plus, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo si cette vidéo vous intéresse. Donc pour moi, normalement, si, allez, on va être gentil, s'il y a 50 likes, on fait LSCPD intervention plan Vigipirate. 60 likes, on fait les militaires, tout ce qui est code attentat, code plan Vigipirate. Donc on sera plus que deux, bien sûr, on sera avec des collègues de 6 ou même... on reste, je vous dis, on restera sur Los Angeles, quoi. Donc on mettra peut-être au fur et à mesure sur la chaîne des plans, des modes, excusez-moi, pas des plans français, donc avec des véhicules, pourquoi pas, de gendarmerie, ou même un jeu complètement modé français, pourquoi pas. Mais bon, pour moi, quand on met directement le jeu modé en français avec les véhicules français, pour moi, après je donne mon opinion, ça a plus le même goût que... que voilà quoi, que le jeu normal. Donc on va poser la collègue ici, donc on va aller, on va... Ah oui, il est fou. Donc, alors attendez, le commissariat, il est juste après l'intersection. Donc après l'intersection, puis voilà, comme ça on se laissera sur cette belle nuit à Los Angeles, pour une fois qu'il est tout tranquille, j'ai loupé le comico. Ah bah non, attendez. Je suis perdu. On va mettre les pleins phares, ça sera mieux. Parce qu'il me semble qu'il y a un commissariat là pas loin. Parce que là on est. Waouh waouh waouh, toi tu vas te calmer. On est à l'hôpital là normalement. Ouais. Ah d'accord, ok. Oh non, c'est moi qui s'est trompé. C'est normal. Donc le commissariat il est là. On tourne. Donc c'est ça aussi qui est. Ouais voilà, il est là. Ce qui est embêtant sur ce jeu, c'est qu'il n'y a pas. Comment je pourrais vous expliquer ? Donc on va gagner la bagnole. Au parking, donc il n'y a pas, c'est tout ce qui est hop. Merci Michel. Il n'y a pas, oh bah il n'y a que des voitures comme nous, la 5 et la 59. Ok, bonjour collègue. Le mec il dit bonjour à tous ses collègues. Hop, il n'y a pas, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les petites annotations sur la map pour les interventions. Donc par exemple, dans une prochaine vidéo, si vraiment ça vous intéresse, on mettra les interventions. Hop, tu descends voisine. Et puis on va aller faire notre fin de service. Mais voilà quoi. La gueule. Donc on mettra, je vous mettrai le lien dans la description pour avoir cette tenue-là. Et puis pourquoi pas, je vous dis, hein, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, on pourra faire... hop, voilà. On pourra faire... des pompiers ou même attendez, parce que là il me semble qu'on revient où on était, ouais, donc on retrouve nos collègues, donc on s'est trompé alors. Donc on pourra faire comme je vous disais tout à l'heure, bon moi c'est vrai que la police ça m'intéresse quoi, c'est quelque chose quand même, la policier c'est quelque chose de bien, surtout que ça fait longtemps. Alors attendez, est-ce que ça s'ouvre? Non. Alors est-ce que la collègue va grimper? Non, bon bah c'est pas grave, collègue, on te laisse ça. Allez, au revoir. Donc voilà. J'espère. Voilà, on va se laisser là, donc avec nos petits collègues. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et puis bah si c'est le cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. N'oublie pas de te laisser un petit pouce bleu. Et de t'abonner. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.
Thank you.